Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on y est. On va jouer avec l'équipe des Exeter Chiefs. Rappelez-vous, la Coupe du Monde, c'est fini pour nous. Mais on va participer à la journée 2 de la Coupe d'Europe. Et notre équipe avait plutôt bien commencé avec une victoire. On va regarder vite fait, ils ont battu. La Nouvelle-Zélande, je ne veux pas savoir. Il nous rappelle ce mauvais moment. Mais on va regarder plutôt comme ça. Qu'on peut voir. Si on a battu les Tigers, ah oui, on est dans la poule des Tigers. On est dans la poule des Tigers et Northampton a battu Klanecki. Grosse poule. Hein. Exeter Tigers, Scarlett, c'est Northampton. Grosse poule. Alors, on va affronter Northampton aujourd'hui pour la journée 2 de Coupe d'Europe. Et on va espérer que ça se passe bien. C'est notre première journée avec Exeter. En avant? Allez, on y croit. On porte le maillot, on y croit. On va jouer en blanc. Je peux pas changer leur maillot parce que. Oh, tant pis. J'aurai le noir, mais eux, ils joueront en blanc là. C'est pas grave. En avant? Allez, c'est parti. Ça peut le faire, ça peut le faire. Voilà, il faut qu'on se remobilise de suite pour faire le taf avec l'équipe d'Exeter sur cette Coupe d'Europe et sur cette première chip. Clairement, on espère faire le doublé. Sur un malentendu, ça peut marcher. Et puis voilà, et puis, on se remobilise, on arrête de passer au match de l'équipe de France. Et puis voilà, on va aller gagner tranquillement. On va regarder un peu les compos. Alors il manque peut-être des Chucky, et à Northampton, Corbisiero, Gray est là, d'accord, c'est marrant, il y a pas mal. Godwin, Ikpefan, Fikou. Alors là, elle est marrante l'équipe de Northampton, je ne m'attendais pas à ça. Du côté des Chiefs, il y a toujours Yandel qui est là, il y a Bateman qui a été recruté, il y a Waitlock, mais il n'est pas avec les All Blacks, non, il a peut-être pris sa retraite internationale. On a deux legs en 10, donc il y a nous, et voilà. Bon, on va voir ce qu'on peut faire, on va essayer de bien jouer. On a des bons avants, je trouve, donc peut-être que nos avants vont pouvoir permettre qu'on ait la balle. Dans ce joli stade de première chip, je le trouve assez joli ce stade. Allez. Il faut aller. On soutient les gars, c'est bien. On va essayer de faire du jeu, on n'a pas peur. On n'a pas peur de faire du jeu. De mettre les cannes de suite pour notre premier ballon avec Exeter. On va aller marquer le premier essai du match. Et oui, on est habitué à devoir être très fort avec l'équipe de France. Cette Coupe du Monde qui est très, très difficile. Alors, normalement, on devrait se balader. On est de suite buteur. Mais voilà. On est de suite un maillon fort des Exeter Chiefs. Ça va être l'objectif. En tout cas, la Coupe d'Europe, c'est un vrai objectif. Je rappelle que c'est pas la première chip, là, hein, même si on affronte une équipe anglaise, c'est la Coupe d'Europe. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est de gagner avec le bonus offensif si possible en notre équipe. Il était encore à la Coupe du Monde, donc on n'a pas pu participer au match, mais ils ont battu les Tigers sans bonus offensif. Si on peut gagner le deuxième match avec un bonus offensif et se retrouver à 9 points en deux matchs, ce serait parfait. Donc voilà, l'objectif il est là. Ah dommage, on s'est jeté sur le ballon, mais ouais, non. Bon après une victoire, on prend quand même, hein, je vous l'accorde, hein. Même si elle n'est pas bonifiée, on l'accepte, hein. On l'accepte volontiers. Vous imaginez bien. Oh, la grosse poussée des Chiefs d'Exeter. C'est bien. Et on devrait récupérer la balle. Voilà. C'est bien. Notre mêlée qui semble solide. Allez. Attention. Ah, j'ai raté le crochet. Donc on essaie de faire la petite passe. C'est pas réussi. Allez. Attention de ne pas être poussé en touche. En fait, le crochet, je l'ai fait trop tôt. J'ai vu que j'étais plaqué. Donc j'ai décidé de faire la petite passe après contact. Ça n'a pas payé, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, voler ce ballon en touche. Oui, nos avants, ils sont chauds. Voilà, on prend de vitesse tout le monde, évidemment. Et on marque le deuxième essai du match. On va essayer d'aller se rassurer très vite pour avoir le bonus offensif. Pourquoi pas demander à être remplacé après, hein. Ça peut être un objectif. Pour éviter max les blessures, hein. Je rappelle que c'est quand même quelque chose qui nous a régulièrement coûté cher dans la saison, donc dans les saisons passées. Donc si on peut marquer
rapidement le bonus offensif pour pouvoir se reposer et ne pas se blesser, voilà, on prend. Vous imaginez bien. Allez, on laisse nos équipiers récupérer. Il n'y a pas le temps. J'essaie d'aller dans le ruck, j'ai pas pu y aller. On s'est fait gratter la balle, je peux pas défendre. Ça y est. On va dans le ruck une fois de plus. Ouais, je me serais pas. Trop tard. Non, n'y reviens pas. Défends. Ah, le drop. Non, le petit coup de pied. Ça va. On a aplati, Rambo 22. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Arrête d'essayer de me. Voilà. Allez, monte vite. Il faut bloquer. Voilà. Et là, on peut la gratter. Il a personne. Lâchez pas. On l'a mis à la faute. On va aller taper en touche. Clairement, on sent que la victoire, alors elle n'est pas encore assurée, mais ça sent bon la victoire. Donc si on peut aller chercher le bonus offensif, on est... Oh, la touche magnifique! Alors là, on peut difficilement faire mieux. Hein. Une touche à la Henry Slade. Allez, 8 mètres de l'embut de Northampton, des Saints de Northampton. C'est le moment. Allez. Oh là 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 là, on perd le ballon en touche. C'est dommage ça. Allez, on va essayer d'être à la relance. Allez, faut ramasser la balle. Oh, ça arrive vite. On remet les cannes. Hop là. Hop. Ouais, j'ai essayé de faire... Oh, mais on s'est fait gratter la balle. Celle-là, je m'y attendais pas. Et ouais, je suis un peu dégueu. Vous vous rendez compte, on avait une touche à même pas 10 mètres. Et voilà, tu te fais voler la balle. Après, moi, j'ai essayé d'aller très vite. Mais ils aiment bien jouer au pied pour l'instant, les Saints. C'est étonnant. Là, peut-être qu'il va falloir que nous, on joue au pied ou... Ouais, je sais pas. Avantage. Ah, mais des en avant de nos équipiers. Lâchez. Des en avant malheureusement de nos équipiers. Alors là, on va récupérer la balle en rec, mais donc on va revenir à l'en avant de Yendel. Flexion. Et oui. Mêlée. Je. Bon, on peut gagner, hein, parce que ce que je n'ai pas dit, on peut gagner. On peut ramener le bonus on dit, mais beaucoup d'en avant. C'est dommage ça, ça me fait réfléchir un peu. Attention, s'il venait à marquer un essai là maintenant, il continue avec les jeux au pied. Mais non, il faut aplatir là. Moi j'appuie sur X parce que nous, si on a la balle, on appuie sur X pour aplatir. Mais... Non, mais aplatir. Le truc, il plaque 3 heures après, à cause de ça, il plaque dans le nom. Je vais pas commencer à m'énerver, ça serait dommage. En tout cas, on s'est vu un peu trop beau à croire de suite, ouais, le bonus offensif, tout ça. On n'y est pas, hein. Alors c'est vrai qu'on a senti notre joueur efficace. Sérieux, il garde la balle au sol, monsieur l'arbitre. Oh là 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 là. 38e, 39e minute. J'aimerais qu'on ait une dernière occasion. Pourquoi pas tenter de mettre un troisième essai avant la mi-temps, mais les Saints en ont décidé un peu autrement. Lâchez. Et il monopolise la balle. En fait, on a été réaliste sur nos quelques actions, sauf l'action où on a une touche à 10 mètres de la ligne et on la perd malheureusement. Hormis ça, nous après, quand on a eu les balles, le ballon, on a fait ce qu'on pouvait. Quoi. Et là, franchement, on est un peu dominé. Ouais, les Saints. Les Saints sont l'équipe qui ont gagné le premier match aussi, je rappelle. Ils ont battu les Scarlets de Clanecli, donc. Voilà, c'est les deux premiers de cette poule qui s'affrontent. Donc voilà, faut pas se voir trop vite, trop beau. Hein. Ouais, on va aller là. Ça sert à rien. On va aller en touche. Hein. Plutôt que tenter une relance folle de nos 22, hein, je pense que vous êtes d'accord, il vaut mieux. Mieux essayer de mettre la motivation dans cette deuxième mi-temps. Mais il plaque 3 arbres. Regardez-le là, il se croit à la piscine à faire des plongeons. Là, ça sert à rien d'aller dans les rucks. Je vais trop dans les rucks là. J'ai la sensation qu'on peut prendre la balle alors qu'on ne peut pas. Et là, pousser les en touche. Allez, c'est bien ça. Bon plaquage en avançant.
Ah, je parle pas, je regarde, je suis un peu concentré, je vois pas en fait comment on peut récupérer la balle. Donc en fait, je vois pas comment on va aller chercher un bonus offensif parce qu'il nous laisse pas à récupérer la balle. Mais vraiment, pas du tout, alors on peut faire ça. Hein. Boum, je peux monter très vite, mais ça sert à rien et ça crée limite des trous plus qu'autre chose. J'ai pas de... on revient, on va plaquer deux fois dans l'action, normal. Tiens, Ficou! Boum! Et ils sont énervés là, les Saints! Ils envoient du jeu là, hein. Allez! Mais moi je peux pas aller dans les racks tout le temps, c'est pas mon rôle, voilà. Voilà. Je m'énerve et on voit ce que ça coûte, un petit plaquage haut. Ah, merci les qui rentre. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Je pense qu'ils vont taper en touche, je rappelle que c'est 7 points. Yandel qui sort. Ah, ils vont aller chercher le bonus défensif au moins dans un premier temps, et puis après ils peuvent même aller chercher le match nul. Allez, faut que notre touche, pourquoi pas, fasse l'exploit. Ça serait sympathique. Hein. Dans l'autre sens, ils nous l'avaient volé, mais nous, non. On ne va pas leur voler. Et là, on est vraiment en danger. Bloqué. Allez. Oh, il a réussi à aplatir. Il a réussi à aplatir, les gars. Alors qu'on est... on va voir, regardez. Nous, on va aller se placer. On sent qu'il y a danger, donc on y va. Alors que... oh là là, il casse deux plaquages avant qu'on puisse... ah, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Et ça va passer. Et ils reviennent à 7 points. Donc à un essai transformé. Et comme je disais, pensons à la victoire avant le bonus offensif. Et là, on les remet dans le bonus défensif, ce qui n'est pas une bonne chose non plus. Vraiment. Donc voilà. Lâcher. On va essayer de remarquer, de les ressortir du bonus défensif. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de ballon. On n'a vraiment pas de ballon. En avant, on va enfin avoir un ballon grâce à un avant de passe. Les Saints, mais... je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Après, là, si notre mêlée... oh ouais, mais non. On n'a aucun ballon. J'ai l'impression de jouer avec la France face au All Black, quoi. J'ai l'impression qu'ils ont vu, oh là, le mec il arrive à marquer un peu trop d'essais. Avantage. Mais oui, tape par là, t'as raison, c'est un choix judicieux. En fait, notre mêlée elle est tellement à la rue que... là, je sais pas quoi vous dire. Ça fait un peu peur. Allez, c'est pas Sam Simmons, mais... on a l'avantage, donc je regarde s'il nous lève. Mais là, j'ai peur qu'il... oh, il revient alors que s'il faut ça allait marquer le drop. Je sais pas, je crois qu'on est deg, il était pas mal. Flexion. Je suis un peu deg. Alors l'arbitre qui décide de revenir alors que... je... L'en avant pouvait avoir... oh là là, mais oui, mais notre... il revient, c'est dégueulasse parce que là, s'il revient pas à l'en avant, on marque le drop, on les sort du bonus défensif, à la place il revient à l'en avant et ils font que notre mêlée est écrasée. Tu veux que je fasse quoi là? Vous voulez pas que je rage, mais... en fait, faudrait que j'arrête de jouer pour pas rager. Mais oui. On peut récupérer aucun... heureusement qu'on a été vraiment super... oh là là là, Ficou qui m'a eu en plus. Heureusement qu'on a été super réaliste, hein, sur nos actions, nous. Qu'on a été efficace sur nos ballons que l'on a possédés. Parce que là... c'est quand même ouais, décevant un peu. 14-0 très rapidement et puis... oh, allez, allez, allez. Oui, il nous en faut peu, il nous en faut peu des ballons, je ne parlais plus. On a un équipier qui vient intercepter la balle, là, vous allez voir. Et on arrive à aller concrétiser cette action en zigzagant dans la défense. Regardez, en fait, ils essaient tellement de jouer. Et c'est Garrett Stinson. Alors, c'est plus Stinson, mais bon, le 10 qui pique la balle. Et nous, ouais, non, c'est pas Stinson en 2023 en plus, c'est sûr. Quoi. Joe Simmons, plutôt. Allez. Et ça, c'est bon, ça. On les sort du bonus défensif. Et on est à un essai du bonus offensif. Alors qu'est-ce qu'il vaut mieux tenter? Est-ce qu'il vaut mieux tenter? Est-ce que...
on tente d'aller chercher le bonus offensif ou on se dit on les prive au moins du bonus défensif, c'est quand même une chose déjà très positive. Question se pose. Vas-y, il nous fait pas la passe, j'espère qu'on a du monde dans le ruck. Oui, j'ai envie, je sais qu'on peut tenter, il nous en faut pas beaucoup des actions. Allez. Oh, faut la jouer vite, jouer vite. Et il prend un carton jaune, mais si on veut, on la joue à la main. Ce que vous voulez tenter, si on veut le bonus offensif. Allez. 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 Oh là 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 là, l'action personnel, oui, on a un joueur complètement pété, on est d'accord, mais on vient de marquer le bonus offensif sur cette dernière action, la faute de Gaël Ficou qui prend une carte jaune. Alors déjà il manque, en plus il se retrouve à 14 sur cette dernière action. Il est stock quand même notre joueur, il est stock. Là il la joue vite, clac, un premier crochet, ça passe, et là il y a l'arrière qui se... il nous tient un peu mais pas suffisamment, et on vient marquer d'emblée 4 essais pour le premier match avec les Chiefs pour nous pour commencer. En Coupe d'Europe, c'est parfait. 28 à 7. Voilà. Voilà, on aura mis les choses au clair. On aura un peu ragé. C'est vrai, je vous l'accorde. Mais voilà, l'essentiel est là. On se retrouve à 9 points en 2 matchs au niveau de la Coupe d'Europe. C'est tout bon. Si les Chiefs peuvent être comme ça dans un peu plus d'un mois après avoir affronté le Munster et Castres, ça serait parfait. Voilà, là, le Corbisiero pour l'essai. Ouais, on a fait le taf, une efficacité assez énorme de notre joueur qui est vraiment très fort, alors qu'il n'a pas été suffisant au niveau de l'international face au All Black, mais voilà. Vous voyez ce que je vois, c'est l'Argentine qui a gagné, on peut voir, hein, on peut pas voir, c'est dommage. Et là on voit, hein, 9 points, 4 points, 4 points, 1 point, on est plutôt bien. Ouais, l'Argentine, c'est dommage, on ne peut pas voir le reste. L'Argentine qui a gagné la Coupe du Monde. C'est quand même les équipes. Ouais, mais là c'est la Coupe d'Europe, c'est dommage. On ne peut pas voir. Mais l'Argentine a gagné la Coupe du Monde, ma foi. Pourquoi pas. Et c'est quoi ces matchs? Je sais pas. En tout cas, nous on se retrouve pour la journée 7 du championnat face à London Welsh Bees Worcester Warriors. Alors là, c'est... Attendez. Vas-y, ils ont le sigle des Worcester, mais... c'est ah oui, parce qu'ils n'étaient pas encore... Ça a changé, les London Welsh n'existent plus, hein, je rappelle, ils sont en deuxième division maintenant. Donc ils ont le truc des Worcester, parce que moi, avec le patch, c'est Worcester. Mais la sauvegarde n'a pas enlevé le truc, donc il s'appelle toujours les London Welsh. Je vous explique tout, vous avez vu. Et donc, ouais, on se retrouve. Nous, on est 4e avec 16 points. 3 victoires, 1 nul, 2 défaites. C'est un début de saison très moyen, mais on est là. On va essayer de remobiliser l'équipe. Je rappelle que c'est les 4 premiers. Hein, c'est la position des 4 premiers qui importe. Pouvoir gagner le championnat. En Coupe d'Europe, on est bien. Donc, voilà, la Coupe d'Europe, ça va arriver là après avec la double confrontation. Face aux Scarlets, ce qu'on fera, je pense, très bientôt. En tout cas, nous, on se retrouve pour le match face à London Irish, même si on va marquer Worcester. On peut dire Worcester, c'est bon, comme vous voulez. Allez, merci à vous d'avoir regardé, et puis à très vite pour d'autres vidéos, d'autres matchs. Bye bye, ciao.